Mondial Montréal, the Quebec programmer and promoter, came to DROM in New York City to showcase world music. The night began with Aboriginal cellist Chris Dirksen weaving classical and Aboriginal traditions. Later on, Senegalese-born and Quebec-based percussionist Elage Diouf played blues and Asiko beats and ended with a tribute to Nelson Mandela. Dichotomy, really, like putting the Western art music together with powwow. It's not a good relationship, maybe. It's a working relationship that we're working towards. And I think I did this album, one, because I am half Cree and half white, like half Mennonite, half Cree. So it brings together like my traditions, both of my traditions together, like classical music and powwow. But it also is a way to move forward in art. This is called Hope on Native Land. Recently had what's called the Truth and Reconciliation, in which the government acknowledged and people are acknowledging the history of taking our children away to residential schools and, you know, the process that colonization have, and starting to recognize that, you know, the land actually does belong, like, to Aboriginal people. Thank you.
I'm singing in Wolof, you know, when I sing in Wolof, it's my, I have a lot of opportunity, a lot of possibility. That's why I do it. For me, Wolof is very, have a lot of rhythm, you know, rhythm to when I want to see one thing, I have maybe six chance or five chance to do something different. That's why I say, when you're going to sing in French or in English, maybe you have just two choice or, you know, and Wolof, you have more choice. That's why I'm happy to sing in Wolof. I feel good when I sing in Wolof. When I see in Africa, you know, a lot of people die for the liberty, for the human life, you know, and Mandela or Sankara or Patrice Lumumba, you know, this is Africa have a chance to have this kind of man to work for, not only for the black people, for the human people. That's why I say I'm gonna sing. That's nothing for me, you know. That's the little thing I'm gonna do for these guys, you know. That's why when I sing Mandela, I'm so, you know, happy. So because when I see Mandela, you know, that's the thing I have it, you know, the sun, I have the human, I have the, you know, smile, you know. That's why I see Mandela. The Tunisian Union, UGTT, the main political organization behind the 2013 National Dialogue, was one of the four recipients of the 2015 Nobel Peace Prize. Hella Yousfi's new book, UGTT, A Tunisian Passion, provides historical context and sheds light on the complex role the union played in post-2011 Tunisia. Hella Yousfi recalls the 2013 political crisis and its resolution. She explains why the Nobel Peace Prize has been criticized by the main actors of the revolution. Le dialogue national, justement, est l'issue du politique positif, relativement, hein, selon les analystes, a permis bien évidemment d'obtenir ce prix Nobel. Alors, le prix Nobel, évidemment, a récompensé les quatre organisations qui ont mené le dialogue national. Ça a été largement perçu par les critiques comme le prix de la paix sociale à tout prix. Donc, c'est en gros, on va féliciter les Tunisiens parce qu'ils ont réussi à sceller ce consensus-là entre les patronats et les travailleurs et à permettre un consensus entre un partage du gâteau entre l'ancienne élite et la nouvelle élite. Donc c'est largement ça a été vu comme le prix Nobel de la paix sociale à tout prix. Deuxième élément important par rapport à ce prix Nobel, c'est que la Tunisie, et ça c'est assez terrible, la Tunisie pendant la dictature, on nous a toujours dit « Ah oui, c'est vrai que vous avez une dictature » ou « on préfère parler de système autoritaire » parce que c'est pas exactement une dictature, mais c'est un système autoritaire doux par rapport à d'autres dictatures, à d'autres systèmes autoritaires dans la région. Donc en gros, c'était l'exception tunisienne, on a une dictature douce ou un système autoritaire doux, et donc il faut se taire un peu et
quand même, vous avez, et puis la façade de la modernité, c'est les droits des femmes, et on a instrumentalisé ça pour dire ça va quand même par rapport à d'autres pays. Maintenant, avec le prix Nobel, on assiste à une, nouveau, à une réhabilitation de cette rhétorique-là. En gros, on nous dit oui, il y a quelques problèmes d'ordre économique et social, mais ça va quand même. Si vous regardez, ce qui se passe dans la région, donc c'est encore une fois une confiscation aussi des luttes sociales en Tunisie. Et là, ceux qui sont du côté des mouvements sociaux et les militants et les acteurs des mouvements sociaux, ils vont vous dire, nous, le prix Nobel, c'est exception tunisienne, on n'en veut pas. Oui, ça se passe mal dans d'autres pays, mais ça ne veut pas dire qu'en Tunisie, ça se passe... enfin, je veux dire, l'horizon par rapport à l'horizon des Tunisiens, ce n'est pas le chaos qui est dans la région. L'horizon des Tunisiens, c'est comment faire en sorte, ou en tout cas, l'horizon du mouvement social, du mouvement ou des acteurs du soulèvement populaire, c'est comment faire en sorte d'avoir une alternative économique et sociale viable, comment résister justement à cet offensif néolibéral. Donc on refuse cette confiscation, encore une fois, des luttes sociales au nom de l'exception tunisienne, où en Tunisie ce serait un peu mieux que les autres pays. On a les élections du 23 octobre 2011, où c'est Nahda qui sort gagnant des élections et qui forme le gouvernement de Troïka avec deux partis. Un parti, le CPR, donc le Congrès pour la République, et le FTDL, donc le Forum pour le Travail et les Libertés et la Démocratie, Takatol. Donc le gouvernement de Troïka, même s'il a la légitimité électorale, n'a pas réussi à gouverner. Et donc, à partir de ce moment-là, on a eu une compétition entre trois registres de légitimité. Donc, la légitimité électorale légale, donc l'UGTT, le Troïka a dit « je dois gouverner, il faut accepter mon gouvernement parce que je suis élue démocratiquement ». Le mouvement, l'opposition politique tunisienne, et là, on retrouve dedans tous ceux qui ont perdu les élections et l'ancien régime et un certain nombre de partis de la gauche tunisienne qui, eux, ont revendiqué la légitimité consensuelle. Ils ont dit, oui, vous avez gagné les élections, mais ce n'est pas suffisant pour gouverner. On n'a pas encore les institutions démocratiques bien implantées, donc il faut former un gouvernement d'union nationale. Et donc la rhétorique de la légitimité consensuelle permettait à l'opposition de revenir au pouvoir. Donc ça, c'est un autre registre de mobilisation. Et le troisième registre, c'est le mouvement révolutionnaire, le mouvement, les représentants, les nouveaux représentants des nouvelles forces sociales qui se sont complètement marginalisés du jeu politique et qui disent ce jeu politique ne nous concerne pas et qui revendiquent la légitimité révolutionnaire pour demander une réinvention de l'exercice du politique et plutôt militer pour une démocratie directe. Et comment rendre le pouvoir au peuple sans forcément proposer une alternative viable. Donc cette compétition entre les trois registres ou les trois groupes d'acteurs a fait que il y a une crise économique très grave, il y a une crise sociale aussi très importante. Et puis, cette compétition entre trois registres de légitimité a aussi aggravé la crise politique. Si on voit de l'extérieur, l'UGTT était l'abri de l'opposition politique, parce que les partis politiques étaient faibles, donc ils se sont tous réfugiés. Ils ont tous demandé à l'UGTT de jouer un rôle central en tant que contre-pouvoir par rapport au gouvernement de la Troïka. Et c'est assez intéressant de voir que les mêmes partis politiques qui dénonçaient le rôle politique de l'UGTT au moment du soulèvement populaire vont s'abriter, et comme l'ancien parti au pouvoir représenté par Nidé Tounes ou d'autres partis politiques, vont demander à l'UGTT de les sauver du gouvernement islamiste. Donc ça en dit long sur la complexité du rôle
du GTT. C'est pendant le gouvernement de Truc, le GTT a négocié un nombre record en termes d'augmentation salariale. C'est-à-dire le gouvernement Truc a assez d'acheter la paix sociale en acceptant tous les accords sociaux, tous les accords sociaux proposés en gros par le GTT. Et là, c'est assez intéressant comprendre le rôle de l'UGTT, parce que l'UGTT n'a pu jouer le rôle politique qu'on connaît que parce qu'elle a réussi à satisfaire les demandes des affiliés à l'UGTT, en gros les couches moyennes organisées. Donc historiquement, ils savent qu'il faut d'abord défendre leurs affiliés pour pouvoir peser sur le champ politique tunisien. Donc la crise politique après s'accentue. Avec les deux assassinats politiques, hein, l'assassinat du député de Choukri Belaïd en février 2013 et plus tard Mohamed Brahmi en juillet 2013. Et donc ces assassinats politiques cristallisent encore plus la crise politique. L'assassinat de Mohamed Brahmi donc en juillet 2013 a précipité, a cristallisé la crise politique et a poussé l'émergence d'un front de salut national. Et là, on a eu la confiscation de la possibilité d'une troisième alternative parce que le Front populaire décide de faire front uni avec l'ancien régime. Et donc, on a eu le sitting de Bardo. Les principales revendications étaient les suivantes. Démission du gouvernement. Dissolution de l'Assemblée nationale constituante et ils voulaient en gros le départ des islamistes. Avec la dissolution de l'Assemblée nationale constituante, la seule instance issue de la volonté populaire. L'UGTT intervient, reprend l'initiative du dialogue national. Il y a eu un changement en fait dans cette initiative-là. Donc l'UGTT n'était plus seule à demander le dialogue national. Elle a créé un front avec l'UTICA. Donc l'UTICA, c'est l'organisation patronale du pays. Donc historiquement, l'UTICA, c'est un réseau d'hommes d'affaires qui était au service de l'ancien régime et notamment au service de Ben Ali et qui retrouve une légitimité à travers justement cette initiative-là. Donc l'UGTT, pourquoi elle fait ? Donc elle fait front uni avec l'UTICA et avec la Ligue tunisienne des droits de l'homme et l'Ordre national des avocats. Donc autant la Ligue tunisienne des droits de l'homme et l'Ordre national des avocats, c'est des organisations historiques qui ont une légitimité historique de résistance par rapport au régime Ben Ali. Autant l'UTICA, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus une organisation qui a été au service du pouvoir. Alors la grande question, pourquoi l'UGTT fait front uni avec l'UTICA ? Donc l'enjeu, c'était à la fois interne et externe. C'est interne pour dire, voilà, travailleurs et patrons, on est unis pour sauver le pays. Donc il fallait rassurer, pour eux, c'est une manière de rassurer l'opinion publique tunisienne. Et en même temps, ce front uni permettait aussi d'avoir le soutien externe. On oublie toujours que dans ce dialogue national, même si le jeu politique était interne, mais les Américains étaient là, les Européens étaient là, enfin, je veux dire, il y a plusieurs acteurs externes qui ont suivi ce dialogue national et la négociation des compromis politiques de très près. Cette initiative de dialogue national a été structurée autour de trois points. Hein. Le premier, c'est d'abord le processus constitutionnel, donc on va sauver l'Assemblée nationale constituante, on ne va pas la dissoudre, et il fallait précipiter la rédaction de la Constitution. La composition du gouvernement, donc il y a eu un gouvernement de technocrates qui a été élu et les islamistes ont accepté de partir du pouvoir,
Et là, c'est le scénario égyptien et le coup d'État en Égypte qui a aussi poussé Nahda, le parti islamiste, à faire des concessions. Et enfin, donc, il y avait le calendrier électoral. Donc, l'enjeu, c'était de mettre en place un calendrier électoral. Donc, tout ça, après des négociations très, très difficiles, tout ça a fini par aboutir. Et on a la première constitution démocratique le 26 janvier 2014. Alors, c'est clair que le dialogue national en Tunisie a sauvé la Tunisie du scénario égyptien réel ou fantasmé, on ne peut pas le savoir. Ça, c'est une évidence. Il a permis d'avoir la stabilité, un minimum de stabilité politique importante, et il a sauvé aussi la seule instance issue de la volonté populaire. Donc, il n'y a pas eu. Ça, c'est aussi un point très important. Par contre, ce dialogue national a été largement critiqué. Donc, il a été critiqué. D'abord, il a été perçu comme un compromis entre pas un compromis, et ça a été perçu comme finalement un partage de pouvoir entre la nouvelle élite issue des urnes et l'ancienne élite politique, donc l'ancien régime, donc Nidé Tounes et Nahda. Maintenant, on a au pouvoir un gouvernement composé principalement de ministres de Nahda et de ministres de Nidé Tounes. Donc on a un gouvernement d'union entre les islamistes et l'ancien régime. Donc le dialogue national aussi a été perçu comme un consensus de classe. Donc vous avez les chômeurs qui vous disent finalement ce dialogue national a été négocié entre les patrons et les couches moyennes organisées représentées au niveau du JTT et on a été écarté de ce dialogue national. Donc justement, ce dialogue national a encore une fois relégué la question sociale au second plan, et l'argument c'était l'unité du pays, la peur du chaos, voilà. Jacques Rivette, one of the founders of the French New Wave, passed last month. Canapé had the chance to meet with Rivette on the occasion of the American release of his movie, Who Knows? C'est l'entrecroisement d'un certain nombre de personnages. Là, il y a six personnages principaux dont chacun a sa propre histoire. Et ce qui crée l'ensemble du film, c'est justement l'entrecroisement de l'histoire personnelle de chacun des six personnages principaux. C'est malgré elle qu'elle séduit, bon, elle est finalement heureuse de séduire, et puis en même temps, elle séduit à la fois plus et moins que ce qu'elle voudrait dans notre histoire, puisque le personnage d'Hugo résiste à la tentation, très forte, mais il réussit à résister à cette tentation. Pour moi, c'est la scène la plus dramatique du film. Parce que ferions-nous si nous étions à la place de Monsieur Hugo? On serait très embêtés, comme il l'est. Enfin, moi, je serais très embêté. D'autres personnes, peut-être, se conduiraient de façon plus désinvolte avec cette jeune fille, mais je ne leur donne pas raison. It's very often the case in Jacques' films. You could say that women are what fiction goes through. You know, they allow fiction to develop and in the end resolve more than men, probably. Pour moi, le théâtre est un meilleur sujet pour le cinéma que le cinéma. Il y a énormément dans l'histoire du cinéma de films qui sont des histoires de metteurs en scène ou de comédiens et de comédiennes de théâtre et leur rapport entre eux et aussi ce que ça implique au contraire dans la vie quotidienne. C'est le père et le grand-père du cinéma, le théâtre, et depuis 2500 ans, alors que le cinéma, lui, n'a juste que 100 ans. At the time when cultural institutions in New York celebrate the one-year anniversary of the passing of Algerian author Assia Djebbar, Canapé wanted to revisit an interview with a novelist that aired almost 20 years ago. She was on her way to Boston to receive the Marguerite Yourcenar Prize.
She stopped by in New York and spoke to Canapé about her ambiguous relationship with the French language, as illustrated in her short novel, Oran Langue Morte. Je me sens dans la langue française. Je peux dire que j'ai traversé depuis... J'avais 20 ans au moment pratiquement de l'indépendance, ou en tout cas de la guerre d'indépendance. Et dans un premier temps, j'ai écrit en français parce que je n'avais pas le choix. Donc je ne dirais pas malgré moi, mais en espérant pouvoir écrire en langue arabe, qui est ma langue maternelle. Et c'est après une longue traversée, et notamment un passage par le cinéma, que finalement, dans les années fin 70, début 80, je me suis réinstallée à Paris en considérant que la langue française était cette fois, par adhésion personnelle, ma langue d'écriture. Parce que, notamment, elle m'a permis, dans un roman lié à l'islam, elle me permet une plus grande liberté par rapport, disons, à un certain tabou, à un certain poids du passé. Donc, c'est tout à fait avec une adhésion personnelle que je continue mon œuvre en langue française, même si j'espère, dans d'autres domaines, notamment l'audiovisuel, retrouver le bruit, la langue, la musique de ma langue maternelle, de mes langues maternelles, car il y en a deux. Pourquoi la première nouvelle qui donne, qui est la nouvelle titre, Oran Langue Morte, cette histoire d'une fillette qui, en 62, a vécu l'assassinat de ses parents, mais c'était pendant la guerre d'Algérie par l'OAS, et puis elle revient 30 ans après pour simplement la mort de sa tante, et elle entend parler d'une mort qui s'est passée, à Oran d'ailleurs, d'un universitaire d'un certain renom, mort de cette façon aussi cruelle. Et elle a cette réaction de dire « Oran est ma langue morte », c'est-à-dire finalement, peut-être dire qu'une ville est sa langue, c'est quand même l'enracinement qui reste. Et en même temps, c'est une langue morte parce qu'elle ne veut plus, elle veut être dans la vie, elle ne veut pas être dans la mort. Donc ce retour, cet encerclement des formes de violence semble tatouer encore cette histoire algérienne. Et je pense qu'il y avait autant le désir d'être solidaire, surtout dans ces nouvelles, ce sont surtout des femmes. Dans Le Blanc de l'Algérie, c'était plutôt des écrivains hommes. Mais là, parmi les femmes, bon, c'était évidemment un besoin d'être solidaire de ces femmes qui vivent, je dirais, dans un héroïsme et dans une dignité que souvent l'actualité journalistique n'éclaire pas, parce qu'il y a une sorte de victimisation qui banalise ce qui se passe. En réfléchissant sur la langue, je me suis rendu compte que cette langue m'avait permis, en tant que femme, d'être à une époque où la plupart des autres jeunes filles étaient reprises par la tradition, m'a permis quand même cette échappée vers l'espace. Et donc, j'ai un rapport, finalement, c'est une langue, c'est la langue du dehors, mais le dehors est important pour moi en tant que femme. Pour moi, une femme qui peut être autonome doit pouvoir passer le seuil, être dedans et être dehors. Et vous savez bien que pour tout le monde musulman, pas seulement pour l'Algérie, c'est tout de même, un des grands problèmes, pour ne pas dire le problème central.